tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau haul action. Et oui, encore un, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je suis allée faire un tour chez Action vendredi, parce que j'avais besoin de quelques petites choses pour finaliser de futurs projets. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Ce magasin, c'est une vraie tentation. Il y a toujours des choses vraiment super, super sympas. Alors, première chose que j'ai pris, c'est un tableau. Donc, j'ai pris un comme ceci parce que vous en avez qui sont plats, sans qu'on peut pas accrocher sans relief derrière. Donc, moi, j'ai pris celui-ci parce que je trouve quand même qu'il est mieux. Si on veut pouvoir l'accrocher au mur, c'est plus sympa. Voilà, c'est pour un futur projet pour faire un cadeau. Et franchement, c'est vrai que là-bas, ça vaut le coup parce que sinon, c'est quand même assez cher ces petites toiles-là. Donc, voilà. Ensuite, je prends au fur et à mesure hein, parce que j'ai pas. Voilà. J'ai pris un petit calepin comme ceci, donc c'est pour glisser dans mon sac. Très pratique, c'est pour pouvoir prendre des notes. Je trouve ça assez sympa. En plus, ça prend pas beaucoup de place. Il se ferme, impeccable. Il va rentrer directement dans le sac sans que ça prenne trop de place. Ensuite, j'ai pris ceci, que j'ai trouvé très mignon. C'est pareil, c'est pour faire ça sera pour offrir je trouve ça très mignon, ce sont des petites boules de chocolat je pense que ça doit se dévisser. Ouais, voilà, ça se dévisse et vous avez le petit capuchon. Il y avait cette forme là ou le bonhomme de neige, donc moi j'ai pris celui-ci, je trouvais celui-là plus rigolo. J'ai pris un lot de de l'eau de ce qu'ils appellent le dizzing tape, donc vous savez c'est le papier collant. Donc j'ai pris dans les tons plutôt un peu brillants, là c'est ils sont vendus par 3. Il y a du bleu, du rose et du jaune. Vous voyez, voilà, en plus on voit bien la couleur. Et un autre rouleau qui est argent, noir et vert. Je trouve vraiment très joli. Voilà pour le futur composition. Surtout là, pour les cartes de Noël, cartes d'anniversaire aussi. Je trouve assez sympa. J'ai pris des feutres pour écrire. Alors, est-ce que j'en ai pris deux comme ça ou... Ah non, c'est deux comme ça et deux comme ça. Alors, j'ai pris cela, c'est pour me servir pour mon cadre. Et j'ai pris dans les tons, il y a gris, bleu, blanc et noir. Voilà. Comme ceci. Et on peut écrire sur plein de supports. Donc, je trouvais assez sympa. Parce qu'on peut écrire sur la porcelaine, sur le métal. Non. Alors, cela, c'est pas pour le tableau. C'est pour un autre projet. Puisque c'est ce pour le métal. Voilà, je confonds. Comme j'ai pris deux sortes de stylos. C'est marqué nouveau. Il y a deux métalliques et deux normaux. Donc les métalliques, ce sont le silver et le bleu. Et les normaux, c'est le noir et le blanc. Et ensuite, j'ai pris voilà deux paquets de feutres séparés. Donc cela, c'est pour écrire sur le tableau. C'est pour la calligraphie. J'ai pris dans les tons dorés, métalliques, rose gold. Et l'autre, c'est noir, tout simplement. C'est pareil. Alors, parce que ils sont par 3, parce qu'en fait, vous avez 3 tailles de pointe. Vous avez une 2 mm, une 3, un 3,5 et une de 5. Voilà, ça se présente comme ceci. Que voilà. Vous voyez, rose gold et puis en fait on a les trois différentes tailles. Donc ça c'est pour faire sur le tableau. Ensuite je me suis repris un paquet de gel paillettes comme j'avais pris la dernière fois parce qu'en fait c'est une couleur que j'avais pas. J'avais pris le rose et le bleu. Il y a toujours l'argenté dedans qui contient des petites étoiles et des petites lunes. Et l'autre là, il est plus dans celui-ci, il est plus dans les tons violets. Vous avez des petites étoiles. Donc, vous savez, c'est le kit pour mettre pour les cheveux. Vous avez vu, regardez-moi ces couleurs, comme c'est super beau. Ça fait de ces reflets holographiques.
Je suis fan, j'adore. Franchement, j'adore. Ça me fait penser. J'ai un vernis qui fait exactement comme ça, qui est de chez Essence et qui est magnifique. Et ça, c'est très très bien, ça me servira pour pas mal de choses. Ensuite, j'ai pris deux rouleaux de... Ils appellent ça diamant parce que c'est des strass qui sont collés dessus. Des rouleaux pour coller. Hein. Un bleu et un gris, argenté plutôt. Donc, ils appellent ça diamant. J'ai pris ça, c'est pareil, voilà. J'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai pris un paquet comme ceci de petits modèles à coller. Ils appellent ça des sequins, un mix de sequins. Voilà, mélange de paillettes. Alors vous avez vraiment de toutes les tailles. Hein, vous voyez, vous avez des gros motifs comme ça. Alors ça, j'en ai pas mal des petits. Et en fait, j'avais ça dans une boîte à couture. Je sors du champ, pardon. Pour faire les biches, pour mettre sur les pulls. Ça aussi, dans le même style. Et vous avez des ronds. Voilà. Voilà un peu les formes que vous avez. Vous voyez toutes les couleurs. Et vous en avez des très très gros. Ronds. Pas mal du tout. J'ai pris. Ah, ceci, j'ai trouvé super mignon. Ils avaient pas mal de petits paquets avec des charmes au choix. Donc j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais plus sympa. Voilà. J'ai pris toujours ça aussi, c'est toujours pour offrir. Pareil, un petit paquet de Pinger Pingui, c'est des mini, les mini, vous savez, mini barres chocolatées. Et puis j'ai pris, voilà, deux tasses comme ceci. Donc c'est pareil, c'est pour un projet spécial. Et donc ça va me servir pour décorer ces petits ces tasses. On va faire attention de ne pas tout casser. Voilà pour ces petits achats chez Action. Franchement, il y a des trucs super jolis. Samedi, je devais y retourner au Action, mais qui se trouve sur Dax. Mais c'est vrai qu'avec les ralentissements et les blocages, et parce que je ne sais pas chez vous, mais là, pour chez moi, c'était très bloqué, donc du coup, bah, je ne suis pas allée, hein, c'était pas si urgent que ça, donc autant rester tranquille, donc j'essaierai d'y aller, je ne sais pas, peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après pour voir, il est un peu plus grand, donc il y a peut-être un petit peu plus de choses, pour voir un peu dans les petites décos de Noël, pour voir un petit peu, il me manque deux trois petites choses peut-être, parce que ça y est, j'ai une petite idée pour faire le sapin, donc je vais aller voir là-bas, parce que ça vaut le coup, c'est pas cher du tout, il y a pas mal de choix, c'est vrai que ça permet de se renouveler au niveau déco. Bah écoutez, voilà, c'est tout, dites-moi ce que vous pensez de ce petit haul, si vous aussi vous y avez trouvé des choses, si vous avez une action près de chez vous. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.